Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Entre la lecture de l'Ancien Testament du prophète Isaïe et l'Évangile, nous trouvons deux manifestations divines bien différentes. Deux appels aussi dans des conditions assez différentes. Et deux emplois aussi. Et nous avons avec Isaïe une vocation typique de l'Ancien Testament. Tout est grandiose. Je vis le Seigneur trône, un trône très élevé, des pans du manteau immense qui couvrait pratiquement tout le sol. Des séraphins clamant « Saint, 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 Dieu de l'univers, la terre est remplie de sa gloire et avec une telle force que les portes tremblaient à la voix de celui qui criait. » Je voudrais bien avoir une voix comme ça. Et il y avait de la fumée, c'était impressionnant. Et Isaïe tremble et il se rend compte, j'ai les nerfs impurs, j'ai vu le Seigneur de lumière, je suis perdu. Dans la conception que si on voyait Dieu, on ne pouvait pas continuer à vivre. Et il y a eu ce geste d'un ange qui vient avec un charbon lui purifie les lèvres. Voilà maintenant que les lèvres sont pures. Ne dis plus que les lèvres sont impures. Et la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Et alors Isaïe dit, me voici. Un appel assez impressionnant et la réponse de celui qui est appelé. Alors si nous allons à l'Évangile, il y a aussi là comme une manifestation divine. Mais voyons bien le contraste. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Et il va posséder tout à fait au début de sa vie publique. Il a fait des miracles. Beaucoup de gens sont venus pour le rencontrer, le voir, l'écouter.
et nous sommes au bord du lac de Génézaret. Probablement un matin, tout est calme et les gens qui commencent à se regrouper sur le rivage, Jésus est au milieu d'eux. Mais s'il commence à parler au milieu des gens comme cela, combien de personnes pourra-t-il toucher? Pratiquement, presque très peu. Alors Jésus voit les deux marques et il choisit celle de Pierre entre les deux. C'est pas un hasard. Et il montre la marque, il demande à Pierre de l'écarter un petit peu du village. Et là, c'est une scène qui me paraît merveilleuse. Dans le calme du matin, l'eau tranquille, Jésus a tous ses gens comme dans un amphithéâtre. Et la voix de Jésus est portée par l'eau. C'est une expérience qu'on peut faire. Nous, quand on était enfant au bord de la mer, si une barque était à plus de 100 mètres, peut-être, mais si ceux qui étaient dans la barque regardaient vers le rivage, on entendait tout ce qu'ils disaient. L'eau qui porte comme cela. C'est un spectacle tellement pacifique à côté de la vision qu'a eue le prophète Isaïe. Dieu assis et parlant aux hommes avec utilisant ce moyen naturel de l'eau qui porte sa voix. Et quand il a terminé son enseignement, Jésus qui dit à Pierre maintenant, va au large et puis jetez vos filets. Seigneur, on a fait toute la nuit, on n'a rien pris, mais comme c'est toi qui le dis, eh bien je vais le faire. Et Pierre jette les filets, c'est la pêche miraculeuse. Pierre, impressionné par ce qu'il voit, se prosternant devant Jésus. Et Jésus qui, alors, fait son appel, comme Isaïe avait été appelé, « Qui enverrai-je ? » Jésus qui lui dit, « Maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Et la réponse a été immédiate. Malgré tout ce poisson, que c'était la première fois certainement que Pierre avait tant de poissons à sa disposition, et aussi les autres associés, et ils vont tout laisser et suivre Jésus. Un appel, un envoi. Oui. Alors, il y aura une deuxième pêche miraculeuse. À la fin de la vie de Jésus, une fois ressuscité déjà, il va désigner Pierre comme le capitaine de la barque. Jésus a prêché, il a d'une certaine façon comme prêché les hommes durant sa vie. Et maintenant, il laissera Pierre chargé de la barque de l'Église. Et cette barque de l'Église, au début, c'était quelque chose de tellement petit, pauvre. Celle a commencé à naviguer, à pêcher, mais quand Saint Paul a été accroché à cette barque, la pêche a commencé à être plus abondante. Maintenant, c'est un bateau immense. Il doit bien faire attention de ne pas se convertir en un bateau de luxe avec des passagers tranquilles à bord et parcourant des eaux plutôt tranquilles aussi. Donc pas un bateau de luxe, ni un bateau de commerce, ce n'est pas sa vocation, ni un bateau de guerre, ce n'est pas sa vocation non plus. Mais continuer à être un bateau de pêche. Et nous avons à bord de ce bateau, nous qui y sommes tous, un capitaine aussi. Pierre s'appelle François maintenant, et c'est lui qui doit indiquer le cap à suivre, doit donner des indications aussi pour la technique de pêche. Oui. Et nous devons regarder vers lui pour cela. Oui. Et nous sommes tous appelés à collaborer. Oui. Peut-être aujourd'hui, la pêche plus que miraculeuse pourrait sembler une pêche à la ligne, un par un et tout ça. Mais il ne faut pas manquer de le faire. Et si chacun d'entre nous
avait déjà quelques hommes qu'il est arrivé aux femmes, c'est leur langage universel, qu'il arrive à amener au Seigneur. Pensez un petit peu à la joie que ce sera à la fin de notre vie, en arrivant auprès de Dieu, de pouvoir se rendre compte que celui-là, les enfants, puis les amis peut-être, sont là parce qu'un jour, ils ont entendu parler tout simplement et de notre foi. Et c'est peut-être moi qui étais l'instrument. Je le dis pour chacun d'entre vous, hein, parce que ce n'est pas seulement affaire des prêtres, des religieux, des religieuses, mais c'est tout chrétien qui est appelé aussi à contribuer à cette pêche. Et si vous voulez savoir la formule pour amorcer la ligne, hein, pour pêcher, eh bien, regardez l'Épître de Saint-Pierre. Là, il vous donne l'essentiel de ce qui s'est passé avec Jésus, de ce que nous avons à transmettre, et c'est la meilleure façon d'attirer des hommes, des femmes à Jésus. Que Dieu fasse que nous puissions nous retrouver dans le ciel, entourés de beaucoup qui seront reconnaissants de ce que nous les ayons dit un mot, fait un geste qui peut-être les a rapprochés de Dieu.